zone. Surveillez le ciel. Dans le mille. Petit pote, c'est Rookie. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez voir, sur Warzone pour un défi particulier qui est le tout dernier des récompenses de Warzone saison 4 dans la catégorie mode, qui, je pense, est la catégorie la plus chiante à faire. Et j'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur cette catégorie, mais aussi sur la catégorie sociale si vous voulez regarder sur ma chaîne pour avoir un peu des astuces pour les faire rapidement, parce qu'il y en a certains qui sont glitch, d'autres qui sont faciles à faire malgré l'énoncé qui paraît compliqué. En revanche, celui-là, j'essaie de trouver des solutions, mais ça restera le plus long à faire. Et donc là, comme vous pouvez voir, je suis à 19 sur 20, et en mode Battle Royale, ça vous demande de faire top 10 sans aller au goulag au cours d'une même partie 20 fois. Et la récompense, c'est ce camouflage qui, à première vue, et je dis bien à première vue, c'est là où je veux attirer votre attention, je trouve, est le moins beau des 4. Quand on regarde les autres, franchement, je trouve que le vert est stylé, je trouve que le bleu est stylé, et je trouve surtout que le rouge est stylé, mais bon, celui-là, je le trouve pas spécialement stylé à première vue. Mais en fait, il y a un petit truc, c'est que quand on a le menu, il est comme ça, mais en revanche, quand on est dans le jeu, il brille, et encore plus quand on est dans des zones sombres. En multijoueur, un peu, sur Warzone, pas mal du tout, et il paraît qu'en zombie, c'est extraordinaire. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est d'aller faire ce 20e top 10 et d'aller vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Éliminez toutes les cibles dans la zone. Et yo les petits potes, nous voici désormais pour la révélation du camouflage, puisque comme vous l'avez vu dans ce gameplay, j'ai enfin débloqué
Celui-ci, alors moi qui ai l'habitude de jouer en résurgence et pas trop en Battle Royale, c'était pas une game excitante, loin de là. Je suis habitué à faire des plus de 20 kills, là j'ai fait une 2 kills. Mais en ayant un peu marre du change qui est long, j'avoue que j'ai voulu surtout sécuriser absolument le top 10. Et donc on va tester progressivement, crescendo en fait, l'intensité du camouflage. Tout d'abord en multijoueur, ensuite sur Warzone. Et enfin, en zombie. Allez, c'est parti en musique. Thank you.